Inauguration en grande pompe pour la nouvelle école maternelle. Baptisée Cho Chong Amin, le conseil municipal de Tevayuta souhaite honorer la mémoire de celui qui fut, en 1919, le premier chef de district de Papeari. Ce nouvel établissement peut accueillir jusqu'à 200 élèves de la STP à la SG, un projet initié lors de la précédente mandature par l'équipe de l'actuel Tavana TRI Alpha. Ça nous tient au cœur, cette inauguration de l'école maternelle de Papeari. Ben, parce que ça fait des années, et les enfants étaient à l'ancienne école, qui se situe côté mer, et c'est arrivé à... Il faudrait une nouvelle école, hein. C'est pour ça qu'aujourd'hui c'est une joie pour nous, pour les représentants de la commune, d'avoir inauguré cette nouvelle école. Cette opération a été soutenue financièrement par l'État et le pays, à hauteur de 478 millions de francs, auxquels s'ajoutent les 25 millions de la commune. Ancien ministre de l'Éducation, le Tawana de Tevayuta connaît bien les besoins de la communauté éducative et des parents d'élèves. Une belle école pour accueillir nos tout-petits et qui va être complétée par l'école élémentaire dans quelques mois. En attendant, les inscriptions pour la rentrée scolaire 2022-2023 sont ouvertes depuis cette semaine. Les dossiers d'inscription sont disponibles à la mairie de Papeari. L'information, on continue sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.